Bonjour et bienvenue en Nouvelle-France dans ma demeure. Merci d'avoir accepté mon invitation. Premièrement, j'aimerais savoir quelles sont vos intentions dans la colonie. Bonjour, je m'appelle Jacinthe et je suis une citadine originaire de Paris. Je suis une fille du roi et je suis orpheline depuis ma naissance. Puisque je suis sous la protection du roi, je suis logée et nourrie. J'ai été envoyée en Nouvelle-France pour diminuer l'écart entre les hommes et les femmes et pour encourager la natalité et le mariage. Bonjour, je m'appelle Jeanne. J'ai été envoyée en Nouvelle-France pour soigner les malades ainsi que les blessés et aussi évangéliser et christianiser les Amérindiens. De plus, je dois assurer l'encadrement religieux et social dans la colonie. Bonjour, je m'appelle Jacques Lafontaine. Je me suis enrôlé en France dans l'armée. Par la suite, mon régiment s'est fait envoyer en Nouvelle-France pour défendre les postes de traite, la colonie et défendre les colons des attaques iroquoises. Bonjour, mon nom est Jean-Jacques Rousseau. J'ai été recruté par une compagnie du port La Rochelle pendant 36 mois. Je suis un homme à tout faire. Je suis ici principalement pour peupler la colonie. Toi, fille du roi, tu seras hébergée dans des communautés religieuses féminines. Tu auras le choix de te marier ou pas. Par contre, si tu ne te maries pas, je te donnerai une amende. Tu seras aussi invité à des bals et à d'autres activités de rencontre. Quant à toi, Ursuline, je m'attends à ce que tu fasses bien ton travail. Je sais bien que ce sera difficile, car la plupart des familles auront de 15 à 20 enfants. Toi, soldat du régiment Carignan, si tu fais bien ton travail, une terre te sera donnée. Et finalement pour toi, engagé, après 3 ans de travail, une terre te sera offerte gratuitement. Merci pour cette offre, mais je crois que je vais retourner en France pour nourrir ma famille. M'accordez-vous cette danse, jeune dame? Je travaille maintenant à l'Hôtel Dieu, à l'hôpital de la ville Ville-Marie, avec d'autres Ursulines, lui permettant de soigner plus de blessés et de malades 24 heures sur 24. J'ai essayé de défendre la Nouvelle-France comme un valeureux soldat, mais ces Iroquois étaient perchés dans les arbres et je n'ai rien vu venir. Bonjour, c'est encore moi, Jacinthe. Avant, j'étais une fille du roi, sans aucune famille. Maintenant, depuis mon arrivée en Nouvelle-France, ma vie a complètement changé et j'ai une très grande famille. Laissez-moi tous vous les présenter. Premièrement, nous avons ici Georges, Georgette, Jean-Jacques, Jean-Paul, Jean-Christophe, Jean-Régis, Georgette, Ginette, Georges, Georgia, Georges 1er, Georges 2e, Ginette 2,
Ginette 4. Ginette 6. Paul. Paul 2. Et enfin, mon préféré, Gabriel. Désolé, mon mari n'est pas là pour le moment. Il est parti chasser. Mais il reviendra sous peu. Ah, qu'est-ce que je suis bien ici en France, de nouveau avec ma famille et mes enfants. Et surtout avec beaucoup plus d'argent. Si j'étais resté en Nouvelle-France, j'aurais eu une taille grâce au Seigneur. Mais par contre, j'aurais eu des droits, tels qu'utiliser le moulin à blé, et des devoirs comme payer l'essence et la redevance, et tenir feu et lieu. Ah, ah, ah.